Les aventures des héros d'un si grand soleil se poursuivent chaque jour sur France 2. Actuellement, Sabine, Gaël le DVA, se retrouve dans la tourmente après avoir été impliqué dans un terrible accident de voiture, alors qu'Henrik, Julien Massenois, a décidé d'essayer de sauver son couple avec Mo, Frédéric Kamatari, plutôt que de poursuivre sa liaison avec Myriam, Pauline Paolini. Mais ce n'est pas tout car une nouvelle intrigue importante attend Claire, Mélanie Maudran, et Florent, Fabrice Deville. Ce dernier va en effet voir son frère effectuer son grand retour dans sa vie. Le frère de Florent s'appelle Jonathan, le personnage est incarné par le comédien Benjamin Garnier, et celui-ci vient de sortir de prison. Dans les colonnes du magazine Télépoche, Fabrice Deville est certes confié sur cette arrivée inattendue, Florent se confronte à un passé douloureux. Bien que, son frère, affirme être pétri de bonnes intentions, Florent sait de quoi il est capable. Point, on va voir que, Florent, n'est pas aussi solide qu'on l'imaginait. Je suis content d'avoir pu montrer cette fragilité. Mélanie Maudran a été très émue par Fabrice Deville dans un si grand soleil. Mélanie Maudran s'est également exprimée auprès de Télépoche et a d'ailleurs indiqué sa surprise face à la sensibilité du jeu de Fabrice Deville, « Il m'accueillit. » Pourtant, on se connaît bien tous les deux, si est-il quelqu'un de solide, toujours d'humeur égale, il fait marrer tout le monde sur le plateau. Mais là, on a eu des scènes qui l'ont emmené sur le terrain de la fragilité et c'était génial. Je l'ai trouvé très émouvant. Coup d'envoi de cet arche événement le mercredi 5 mai 2021 dans un si grand soleil. Love.